Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. 18h33 sur Europe 1 avec le débat d'Europe Soir, François, autour des projets de trains supersoniques. C'est peut-être le futur, c'est peut-être un rêve d'ingénieur. En tout cas, c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent. Alors, si vous voulez réagir et nous donner votre avis sur ces projets de trains supersoniques, vous pouvez utiliser Twitter en envoyant un message avec le hashtag E1Soir. Bonsoir Sébastien Gendron. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur et PDG de Transpod, l'entreprise canadienne qui porte le projet d'Hyperloop dans le Limousin. Bonsoir Sarah Sermandada. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Science et Avenir. Et bonsoir à vous, Vincent Léoni. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Limoges, président de l'association Hyperloop Limoges. Merci à vous trois d'être avec nous dans Europe Soir. J'aimerais d'abord que vous nous expliquiez avec des mots simples, suffisamment simples pour que je les comprenne, Sébastien Gendron, comment fonctionne théoriquement un train Hyperloop comme celui de votre projet Transpod? En fait, c'est assez simple. J'ai d'ailleurs un concept qui existe depuis déjà plus d'une centaine d'années. Donc, on n'est pas sur quelque chose de nouveau. On n'est pas sur de la science-fiction. Il y a même d'autres sociétés qui avaient commencé à travailler sur ce concept-là dans les années 2000. Mm-hmm. Et en fait, ça consiste à mettre des véhicules dans des tubes à faible pression. Alors, à faible pression, en fait, pour s'affranchir des frottements aérodynamiques. Et à l'aide en fait de moteurs électromagnétiques pour les systèmes de propulsion et d'évitation, de se déplacer à des vitesses similaires à celles de l'avion. D'accord. Qu'est-ce que c'est des moteurs de propulsion magnétique, Sarah Sermandada? Alors moi, de ce que j'ai compris des différents projets autour de l'Hyperloop, on peut avoir deux solutions de propulsion, soit le coussin d'air, soit la sustentation magnétique. Mmh. Et là, moi, je me redirige vers Monsieur Gendron pour... Il a dit plutôt sustentation. Vous fonctionnez à sustentation magnétique, donc votre projet... Voilà, juste c'est une question que je me suis posée moi-même en faisant des recherches sur le sujet. Est-ce que c'est de la sustentation magnétique, donc vraiment avec deux électrodes aimants qui vont par polarité s'opposer, se repousser et permettre un flottement de la capsule, ou est-ce que c'est juste un coussin d'air, c'est-à-dire une surpression d'un petit coussin d'air sous la capsule qui va permettre de la faire flotter, de la faire glisser? C'est un peu vous technique, savez, mais le c'est principe du air hockey. Alors la réponse de Sébastien Gendron. Ouais. Donc en fait, juste pour revenir un petit peu, faire un petit peu d'historique sur le sujet. Le système de lévitation, alors on parle pas de système déjà de propulsion, on parle de système de lévitation magnétique ou électromagnétique. Alors c'est vrai que on peut faire un peu de propulsion également, mais là on est vraiment sur la lévitation. Et le système de lévitation pneumatique là avait été proposé en fait par Elon Musk dans son livre blanc en 2013. Donc Elon Musk, hein, c'est le fondateur notamment du constructeur automobile Tesla, qui fait des voitures haut de gamme électriques et qui a aussi lancé des fusées, voilà. Exactement. Et il avait proposé ça comme une alternative à des systèmes électromagnétiques qui peuvent paraître un petit peu trop onéreux à l'époque. Et malheureusement, enfin pas malheureusement, mais ils ont été un petit peu même abandonnés par l'ensemble des sociétés qui aujourd'hui développent tout ce qui est train sous vide ou Hyperloop pour une bonne raison. Alors vous, votre projet, parce qu'on va pas faire tous les projets qui existent, on n'a pas deux heures et demie, mais votre projet, vous pensez atteindre quelle vitesse et donc comment est-ce que ça avance avec ces aimants-là? En fait, donc on est avec des systèmes électromagnétiques et on fonctionne avec des moteurs à induction linéaire. Mmh. Donc c'est ni plus ni moins, c'est un moteur électrique en forme de ligne qui génère en fait qui génère un champ électromagnétique et une force, ce qu'on appelle une force de Lorentz, qui peut être propulsive ou une force de freinage. Donc voilà, c'est tout simplement un moteur électrique qui aujourd'hui en fait équipe déjà certains trains. Notamment le train qui relie l'aéroport de Vancouver au centre-ville de Vancouver. Donc il y a déjà voilà au Canada. Donc on a déjà quelques lignes qui fonctionnent avec ce type de moteur. Et de notre côté, donc on a repris un petit peu ces concepts-là pour les adapter à un véhicule pour aller bien entendu beaucoup plus vite, donc à des vitesses similaires à celles de l'avion. Donc on est entre 800 et 1200 km/h. Bien entendu, de les faire fonctionner dans un environnement à faible pression. Vincent voilà. Léoni, vous êtes adjoint au maire de Limoges, président de l'association Hyperloop Limoges. Vous allez donc voir cette piste d'essai, ou ce tube d'essai, je ne sais pas comment dire, construite près de chez vous. Ça va ressembler à quoi et qu'est-ce qui va y être fait exactement?
Alors déjà, en tout état de cause, on n'attend pas de le voir, on fait tout pour qu'il vienne s'installer chez nous, hein, qu'on soit bien clair. Ça va ressembler à quoi? Sébastien Gendron en parlait bien mieux que moi, parce que c'est quand même lui qui porte le projet. Mais aujourd'hui, le projet de Sébastien, c'est d'installer déjà un centre d'essai, un centre d'études, qui est un grand bâtiment de 1000 mètres carrés. Et puis de ce grand centre d'essai sortira un tube qui sera la piste d'essai, qui sera 3 km de long par 2 mètres de diamètre, puisque en fait ce sera une piste à l'échelle 1,5. Les tubes réels plus tard feront eux 4 mètres de diamètre. Voilà, ça va ressembler à ça, et le tout au milieu de la campagne limousine. Et pourquoi est-ce que ça s'est installé chez vous, à Limoges? J'aurais tendance à dire parce qu'on a été les meilleurs, non, ça serait immodeste. C'est surtout parce que je pense qu'on a su montrer à Sébastien que là, le Limousin, la Haute-Vienne, sont des territoires de possibles, qu'on a l'envie que des entreprises viennent s'installer chez nous, et qui plus est dans une course mondiale. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a déjà quelques temps avec mes deux amis que sont Fabien Thibault et Alexis Mons de l'association Pierre-Luc Limoges, on réfléchissait à cette question-là, comment est-ce qu'on fait pour désenclaver les esprits, pour rendre les gens fiers de leur territoire, alors qu'on a plein de compétences, on a plein de gens très intelligents. Désenclaver les esprits? Oui, parce qu'en fait, en Limousin, au départ, on a un vrai souci, c'est qu'on estime qu'on est enclavé. Et depuis très longtemps, on attend une LGV, on attend la grande vitesse, on attend une autoroute. Et plutôt que de... Pour l'instant, c'est mal parti. Et pour l'instant, c'est mal parti. Il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Et c'est vrai que nous, notre constat, c'était de se dire, mais avant de vouloir désenclaver physiquement, ils sont désenclavés les cerveaux, en disant que finalement, on n'est pas si loin de ça, que ça, de par moins de tout, et que justement, on peut faire venir des entreprises qui n'ont pas forcément besoin de la route, du train et compagnie. Et surtout, montrer que c'est un territoire de possible et qu'on peut y faire des choses. Voilà. Sébastien Gendron, vous désenclavez les cerveaux, mais donc pourquoi est-ce que vous êtes allé, pourquoi vous avez choisi le Limousin? Pour reprendre un peu ce que disait Vincent, ils m'ont contacté, c'était fin de l'année dernière. Moi, à l'époque, je cherchais un site pour y établir un centre d'essai. On avait eu une opportunité en Italie du côté de Bologne, mais ça n'avait pas fonctionné. Et du coup, on se rapprochait un petit peu, on regardait un petit peu en France, au Canada, comment développer ça, sachant qu'on avait déjà des partenaires en fait industriels français, que ce soit le cabinet d'archi à Toulouse ou même ICOS Consulting à Paris. Et on s'est dit, bon, on va regarder un petit peu en France. Et en France, l'objectif, c'était pas de s'installer là où il y avait déjà des lignes à grande vitesse. On avait regardé le corridor Paris-Toulouse, sur lequel voilà il pourrait y avoir potentiellement demain un tronçon. Et on avait commencé à discuter avec les villes de Toulouse, Orléans et Limoges. Et Toulouse, ça traînait un petit peu. Orléans, ça avançait, mais voilà, pas non plus suffisamment vite. Et derrière, Vincent, Fabien et Alexis, voilà, on fait avancer les choses. On permet de rencontrer le président du département, avec qui voilà on a discuté, on a regardé un petit peu quels étaient les terrains qui pourraient fonctionner pour nous. Et il y avait ce terrain-là, voilà, dans le nord du département de la Haute-Vienne, qui collait par rapport à ce qu'on cherchait. Et voilà, de fil en aiguille, on en est là. On a travaillé sur le permis de construire, et derrière, ça avance bien. Et une chose que je souhaite dire également, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de travailler avec des gens qui ont envie et qui souhaitent que ça s'installe, plutôt que d'essayer de convaincre des gens en permanence qui n'ont pas forcément un besoin immédiat. Sarah Sermondada, vous êtes journaliste à Sciences et Avenir. Vous avez travaillé sur ces différents projets d'Hyperloop. Aujourd'hui, on a le train japonais Maglev qui permet d'aller à combien? 603, vitesse de pointe, 603 km/h. Donc un peu plus que le record du TGV qui est à 574. Oui, un tout petit peu, ça reste significativement du même ordre. Mais est-ce que les 1200 km/h, ça paraît scientifiquement atteignable en train, enfin dans ces trains qui ne sont pas des trains, mais voilà. Alors il y a déjà une différence qui me paraît assez essentielle entre l'Hyperloop et le Maglev. Le Maglev, c'est le train japonais. Oui, le train japonais, c'est déjà le tube quasiment sous vide. Disons que conceptuellement, on est un petit peu dans la même idée, mais l'hyperloop, on se déplace dans quelque chose à très basse pression, voire sous vide. Donc on s'affranchit, comme le disait M. Gendron, des frottements de l'air. En fait, on limite les frottements de l'air, et finalement, qu'est-ce qui fait consommer l'électricité? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait consommer l'électricité ou du carburant quand on est dans un avion? C'est les frottements de l'air. D'ailleurs, l'une des raisons, il y en a plusieurs, mais l'une des raisons pour lesquelles les avions vont quand même en altitude pour faire les longs courriers, c'est aussi parce que l'air est moins dense. Et enfin voilà, c'est
ça limite les frottements quand même. Alors nous sommes toujours sur Europe 1 pour parler de ces hyperloops, ces trains supersoniques. Sébastien Gendron, je me demande quelques... J'ai plein de questions en termes de sécurité notamment. Si on se retrouve coincé dans ce tube, il y a une panne de courant, c'est pas vraiment un tunnel, donc on pourra pas sortir et marcher vers une issue de secours. Par rapport à aujourd'hui, on a regardé justement les normes qui se rapprochaient le plus de ce qu'on fait. Et on nous impose en fait une sortie d'évacuation tous les un peu moins de 700 mètres. Oui. Donc tous les 700 mètres, il va falloir garantir une sortie d'évacuation. Alors bien entendu, avant que les gens puissent évacuer, il faudra repressuriser le tube, donc remettre de l'air pour que les gens puissent respirer. Ah. Et ensuite, voilà, il y a différentes approches pour avoir ces sorties de façon intelligente et efficace. Pour revenir un petit peu sur ce que disait Madame également, là, faible pression, pour faire l'analogie avec l'aéronautique, c'est comme si on volait à 50 km d'altitude. Voilà, les avions volent 5 fois plus haut que les avions de ligne. Voilà. Et théoriquement, en fait, si vous prenez un train japonais et vous le mettez dans un tube à faible pression, qui est entre 50 km, il peut théoriquement même augmenter sa vitesse et atteindre 800, voire plus. C'est d'ailleurs des essais sur lesquels il travaille aujourd'hui au Japon. On peut freiner facilement? On met combien de temps à s'arrêter quand on est porté à 1000 ou 1200 km/h avec ces systèmes? Je vais peut-être faire quelques petites erreurs, mais je vais vous donner les ordres de grandeur. Il faut à peu près 50 km pour freiner. Il faut 50 km pour s'arrêter ? Voilà, on commence à décélérer. Alors, sous l'hypothèse qu'on est à une vitesse de croisière autour de 1000 km/h, on est sur des distances autour de 50 km pour s'arrêter. Voilà, et c'est à peu près 10 minutes, 10 minutes pour s'arrêter normalement. Parce qu'aujourd'hui... Par rapport justement à la sécurité, on n'est pas en train de concevoir un canon électromagnétique, qu'on soit bien clair, c'est ni plus ni moins un système de transport qui se veut plus confortable que les systèmes actuels, plus confortable que le train, plus confortable que l'avion. Et on est aujourd'hui sur des accélérations et des décélérations similaires à celles du métro parisien. Voilà. On est sur On sera pas écrasé au fond de son siège comme un pilote de chasse. Non, voilà, exactement. On n'aura pas besoin de faire un entraînement intense avant pour pouvoir embarquer. Vincent Léoni, je me pose une question autour du coût que ça représente, puisque on dit qu'un kilomètre d'hyperloop, ça dépend des technologies, mais en gros, c'est entre 25 millions et 50 millions. Or, aujourd'hui, on a déjà des problèmes avec le TGV qu'on ne construit plus, qui est un petit peu arrêté au-delà de Bordeaux, vers Toulouse et puis vers Limoges. Est-ce que vraiment vous pensez qu'un jour, ce genre de train peut arriver jusqu'à chez vous, peut desservir des villes moyennes, j'allais dire, en France? Je pense que cette technologie pourra servir des villes moyennes sous réserve qu'elles soient sur des corridors qui soient intéressants. Moi, par exemple, pour Limoges, j'y crois dans le sens où Limoges pourrait être sur une route comprise entre Francfort et Barcelone, donc via Paris et via Toulouse. Maintenant, en termes de coûts, il ne faut pas se voler la face. Les caisses de l'État, un petit peu partout, dans tous les États, sont plus ou moins vides. Et on ne pourra pas faire l'économie de passer par des partenariats publics-privés. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour la ligne LGV entre Paris et Bordeaux. C'est clairement pas la SNCF ni l'État qui ont financé le coût, ça a été, j'allais dire, une délégation de services publics ou une concession qui a été faite à des entreprises. Pour l'hyperloop, je pense qu'on sera sur le même modèle économique. D'ailleurs, Sébastien vous le dira, aujourd'hui, il ne cherche pas des subventions. Il est clairement sur une levée de fonds privée, c'est un produit 100% privé. Je pense que demain, les États ne pourront plus avoir le luxe de se payer ce genre de technologie-là. Ce sont les entreprises qui les porteront. Sébastien Gendron, en termes de modèle économique, est-ce qu'on ne va pas simplement relier des grandes villes entre elles? On va refaire Paris, Lyon, Marseille, Paris, Lille, Paris, Strasbourg, ce qui existe déjà en TGV? Alors, je vais être honnête avec vous. Les futurs corridors demain devront répondre à une logique économique en complément de ce que vient de dire Vincent. Les investisseurs privés qui vont regarder à financer ce type de corridor vont regarder une rentabilité économique, et qui dit rentabilité économique dit suffisamment de trafic pour justifier l'investissement. Suffisamment de trafic, ça veut dire automatiquement des grandes villes. Après, par contre, le gros avantage en fait de ce système-là par rapport à du TGV, c'est qu'on va fournir de la fréquence, beaucoup plus de fréquence et de la flexibilité. Donc on peut faire partir beaucoup plus de trains, on peut en faire partir un toutes les minutes quasiment.
Alors, les trains, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des grandes lignes, ont déjà cette fréquence-là. Mais nous, notre côté, en plus de la fréquence, ça va être vraiment de la flexibilité, dans le sens, c'est de pouvoir fournir à l'usager de demain la fréquence du métro avec la vitesse de l'avion. C'est-à-dire, en même temps, d'avoir cette facilité d'arriver à la gare, de prendre son ticket, de pouvoir embarquer. Et au lieu de se retrouver juste quelques stations plus loin aujourd'hui en métro, c'est de se retrouver peut-être éventuellement à l'autre bout de la France. Mmh. Après, avec cette flexibilité-là, en fait, on pourra garder le flux principal, parce qu'aujourd'hui, on est sur des capsules, en fait, qui pourront transporter entre 30 et 50 passagers. On aura, par exemple, si on prend le tronçon Paris-Toulouse, on aura le flux principal qui va aller jusqu'à Toulouse, avec par exemple 8 capsules sur 10 qui vont aller directement sur Toulouse. Et de temps à autre, on aura une capsule qui va s'arrêter à Orléans ou à Limoges. Donc c'est très modulable. Mmh. Exactement. Sarah Sermondada, je vous interromps, Sébastien Gendron. Vous êtes, vous, Sarah, journaliste à Sciences et Avenir. D'un point de vue écologique, est-ce que c'est pas un train qui va consommer je ne sais pas quelle est la bonne unité de mesure de l'électricité, mais voilà, ça va représenter une certaine consommation électrique, non ? Alors, moi, ce que je sais, c'est que dans le projet initial d'Elon Musk en 2013, il avait prévu des panneaux solaires disposés de manière régulière pour vraiment être presque autosuffisant. Voilà, exactement. Après, voilà, moi, je me redirige encore une fois vers M. Gendron pour savoir un peu ce qu'il en est pour le projet Transpod. J'imagine que vous avez quelque chose d'assez similaire dans les cartons ? Oui, c'est assez similaire. En fait, les premiers chiffres qu'on commence à avoir et qu'il va falloir justement confirmer avec ce centre d'essai du côté de Limoges, c'est une balance énergétique positive. C'est-à-dire que le système avec des panneaux solaires sur 500-700 km générera plus d'énergie qu'il n'en consomme. Après, voilà, je mets des réserves, c'est à confirmer, etc. Je vais pas vous couper, mais vous n'aurez pas de problème lié à la nature intermittente de l'énergie solaire, typiquement en hiver. Comment vous avez prévu de gérer ? Il y a moins de soleil l'hiver que l'été. Excusez-moi, très rapidement. Vous avez entièrement raison, et pour nos auditeurs, je tiens à clarifier, le système en lui-même devra être connecté au réseau électrique, et c'est ensuite l'énergie captée par les panneaux solaires qui sera ensuite redistribuée sur le panneau électrique, sur le réseau électrique. Les panneaux qui vont alimenter le système de transport. On voit que cette hyperloop cause beaucoup de questions, on en a encore plein, mais malheureusement on n'a plus de temps, c'est pas grave, on vous réinvitera. Merci beaucoup Sébastien Gendron, cofondateur et PDG de Transpod. Merci à vous Sarah Sermondada, journaliste au magazine Science et Avenir, et merci à vous Vincent Léoni, adjoint au maire de Limoges, président de l'association Hyperloop Limoges. Merci d'être venu débattre en direct sur Europe 1. Dans un instant, un autre moyen de transport un peu plus traditionnel, celui-là, un bateau à voile, copié sur le style 17e siècle. On vous emmène le visiter dans une minute avec Lionel Gougelot. À tout de suite.